Père, au nom suprême de Jésus, je veux te rendre grâce pour ton extrême fidélité. Nous sommes assemblés en ce lieu et partout sur la terre en ce moment, connectés au ciel par cet autel. Nous venons t'adorer, nous venons t'écouter, nous venons te célébrer. Père, je prie que pendant que tu m'utilises comme un canal entre ta main pour faire entendre la parole de vérité, ô Dieu, que tu puisses me donner une habileté particulière afin, ô Dieu, que j'enseigne et prophétise les Écritures avec droiture et exactitude. Permets à ceux qui m'écoutent d'accéder à la compréhension révélée et que cette parole reste gravée dans notre homme intérieur, qu'il change, que cette parole change radicalement notre paradigme mental et la perception que nous avons de la fête des Pâques et que nous puissions la célébrer comme tu l'ordonnes au nom suprême de Jésus. Merci pour tous les miracles qui accompagnent ta parole. Ô Dieu, que ton nom soit béni, car je sais qu'elle ne rentre pas à toi. Ça a accompli ce pourquoi elle est sortie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen trois fois. Amen. Amen. Non, 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 ta manière de dire Amen, ma mère. Donne-moi trois bons Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Le thème du message que j'ai reçu de Dieu pour justement cette série qu'on termine aujourd'hui, c'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Pourquoi nous célébrons la Pâque? Alors nous allons aller dès le commencement, parce qu'en fait, l'origine de la Pâque a tout à voir avec le mandat qui avait été assigné à l'homme dès le commencement, quand Dieu l'a conçu, l'a créé et l'a établi dans le jardin d'Éden pour la domination. Alors il se trouve que Dieu, ayant placé l'homme dans le jardin d'Éden, fit cette recommandation formelle à l'homme. Tu pourras manger de tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre la connaissance du fruit du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la Bible nous dit que malgré le fait que c'était un mandat de domination, ce mandat de domination tenait par justement la capacité de l'homme d'obéir à cet ordre ferme de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En d'autres termes, tu perdras ta capacité de dominer et de régner sur ce jardin. L'homme a travaillé dans le jardin, l'homme a excellé dans son travail, jusqu'au jour où justement Dieu fit tomber cet homme dans le jardin, dans le profond sommeil. Il sortit une femme de sa côte. Et donc, Dieu bénit le premier mariage parce que l'homme a apprécié sa femme. Alors, le serpent qui était l'animal le plus rusé dans les animaux des champs, vint maintenant et dit à la femme, est-ce que Dieu a véritablement dit que vous ne devez pas manger de ce fruit? La femme dit, ah, Dieu a été clair, hein? Il a dit de ne pas manger et de ne pas toucher. Le diable dit non. Et il vous blague, il vous trompe, il sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et elle en mangea, et elle donna aussi à son mari qui mangea le fruit. Dès cet instant, l'Esprit de l'Éternel se mit à parcourir le jardin. Et Dieu posa cette question à Adam. Adam, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, mais c'est étrange. Qui t'a donc appris que tu es nu? As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Et il dit, non Dieu, en fait c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, quand j'étais seul, on n'a pas eu de problème. Je me suis marié, c'est la femme là que tu m'as donnée qui a causé des problèmes. Mais ce n'était pas vrai du tout. Nous continuons, ce n'est pas ça le but de notre message. Et alors il demande à la femme, mais femme, qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, non, 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 ce n'est pas moi non plus, c'est le serpent. Et comme le serpent était dans l'incarnation, justement, du diable, parce que c'est l'instrument par lequel Satan est passé, alors Dieu ne pose pas la question au diable, à Satan, au serpent, pour quoi que ce soit. Il lui dit, écoute-moi bien, la sémence de la femme écrasera ta tête et tu lui mordras le talon. Mais entre-temps, quand Dieu prend position de façon ferme pour l'homme et la femme, disant que la sémence de la femme écrasera la tête et que lui, le serpent, mordra son talon, Dieu se trouvait face à un problème extrêmement sérieux. Sérieux pourquoi? Parce que la terre venait de basculer et changer de maître. Au commencement, la terre était donnée à l'homme comme justement le maître de la terre. La domination était entre les mains des hommes.
Et là, la domination a changé de main. C'est dans 2 Corinthiens 4:4, Satan devient le dieu de ce monde. D'ailleurs, le jour qu'il tente Jésus, il dira, voyez tout ce royaume et toute leur gloire, elles m'ont été données. Mais données par qui? Par Adam. Dieu n'a pas l'intention de laisser l'homme dans cet état parce qu'en fait, numéro 1, l'homme n'a pas demandé à naître. Numéro 2, l'homme est conçu pour régler les problèmes de Dieu. Parce que Dieu a eu des problèmes avec Lucifer et il a trouvé en l'homme la solution à ses problèmes. Donc si l'homme échoue quelque part, la solution de Dieu n'a pas marché. Et Dieu dit non, ce n'est pas possible. L'homme s'étant caché devant Dieu n'a pas péché contre son autorité mais contre sa sainteté. Donc il n'y a pas une rébellion en tant que telle de l'autorité de Dieu. Dieu dit, je vais collaborer avec cet homme, je vais racheter cet homme. Et là on prend dans la tête. Mais comment faire pour que la terre que l'homme a perdue revienne à l'homme de façon légale? Je parle de légalité. Parce que la terre était devenue, vous voyez, légalement la propriété de Satan. Et Dieu n'avait plus accès à cette terre d'une manière ou d'une autre. Il ne pouvait plus rien faire sur la terre. Il avait besoin d'un homme qui lui autorise, avec qui il pouvait signer un pacte, un contrat, une alliance. Donc quand on parle d'alliance, c'est dans le stratagème. Venant de la haute de votre école militaire de Dieu pour pouvoir aider l'homme à rebasculer dans la domination. C'est ainsi donc qu'il va au départ verser d'abord du sang en couvrant la nudité de l'homme par le fait qu'il tue un agneau dans le jardin d'Éden. Et plus tard, il va engager cette alliance plus loin. Il va trouver au fils de Terach, Abraham, fils adorateur d'idole, la personne avec qui il pouvait traiter alliance parce que Abraham allait comprendre le mystère de ce que Dieu allait faire avec lui plus tard. Il sort Abraham, il dit Abraham, quitte ton pays, t'as parti la maison de ton père. Vas-y dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre, pas les juifs, les nations de la terre, seront bénies après toi. Donc l'intention de Dieu est claire. Ce n'est pas une bénédiction juive ou judaïque, mais c'est une bénédiction, voyez, de la terre entière que Dieu recherche au travers d'Abraham. Et Abraham sort de son pays. Et donc Dieu va faire donc alliance avec Abraham. D'accord? Et vous allez voir, il va dire à Abraham quelque chose dans Genèse 15, versets 13 à 14. Il dit à Abraham, Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. Donc c'est là une promesse que Dieu fait à Abraham. Et il dit, Abraham, je vais, moi, voyez-vous, te sauver tes descendants. Mais avant ça, ils vont passer 400 ans de captivité, n'est-ce pas, en Égypte. 4 générations tenues en esclavage et après ça, ils sortiront. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que l'intervention de Dieu sur la terre soit légale. Alors l'alliance est contractée. Quand l'alliance est contractée, les passifs et les actifs sont partagés. Par exemple, un mari qui épouse une femme. Si le mari est endetté, la femme s'endette dans l'alliance. Si vos biens sont le mariage, selon Dieu, ça dit bien comment, la dette du mari devient, voyez, ta dette. C'est pour ça qu'il y a des hommes, ils dettent, ils régalent les femmes qu'un peu parce qu'ils veulent que tu viennes payer sa dette. Il faut bien voir clair. Donc c'est important de comprendre que les alliances vous engagent. Vous êtes dans l'alliance. Amen. Vous êtes dans l'alliance. Et idem pour la femme. Et voyez-vous, vous partagez les passifs et les actifs. Donc tout ce qui est à la femme est de facto à l'homme. Ce qui est à l'homme est de facto à la femme. C'est pourquoi si le chef d'État décide de faire d'une prostituée sa femme, que tu aies été son dernier client, tu seras obligé de l'appeler madame la première dame. Sinon, elle peut, en soufflant à son mari, t'envoyer à la prison centrale, à la maca du pays, et on te garde là-bas. C'est l'ancienne prostituée, c'est vrai. Elle avait récupéré ton blé, sauf qu'elle est entrée dans une alliance qui a changé son statut. Donc Dieu avait dans l'intention de nous amener dans cette dimension du changement radical de notre statut, afin que nous puissions retrouver la domination qui était notre pleine portion. Abraham donc s'en va, Abraham n'a pas d'enfant. 11 ans plus tard, dans la marche avec Dieu, Abraham a un enfant qu'on appelle Ismaël. Et donc, il est qui a acquis de la volonté permissive. Et Dieu dit à Abraham, écoute mon gars, marche devant ma face, sois intègre. Ce que j'ai dit que je vais faire là, je vais faire. 25 ans plus tard, Abraham a enfin son enfant qui est appelé Isaac. Mais comme, voyez-vous, dans l'alliance, les passifs et les actifs sont partagés,
Dieu va donc maintenant tester Abraham pour voir si Abraham sera fidèle à l'alliance. C'est pour ça que quand Dieu te demande une partie de ce que tu as, il ne veut pas prendre. C'est un test pour voir si tu es digne de recevoir ce qu'il t'a réservé. Alors il met Abraham à l'épreuve en ces mots, donne-moi tes fils. Voyez, ton fils en unique. Quand on dit épreuve, ça veut dire que quelque part il y a eu d'abord des coups. Et donc quand tu fais des coups, après on te donne un test pour voir si tu as bien assimilé. Donc le coup d'alliance ayant été fait entre les deux, maintenant il y a une épreuve pour voir si on va passer l'épreuve ou pas. Alors cette épreuve va permettre à Dieu de mettre en marche une loi appelée la loi de la mesure. Car Dieu te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Cette mesure va permettre à Dieu, qui depuis l'éternité avait déjà immolé son fils, de trouver la voie légale. Pour que le fils quitte le ciel pour la terre, il faut que quelqu'un l'y autorise. Et Abraham va être donc celui qui appelle le père de la foi, qui va donner à Dieu le moyen légal d'envoyer le rédempteur. C'est ainsi que quand il prend son fils, ils vont ensemble pour passer le test en chemin. Le fils dit, ah papa, voici le bois, voici le feu, où est donc l'agneau du sacrifice? Abraham lui-même répond, et Dieu lui-même pourvoira à l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi on sacrifice quand tu l'apportes. Quand il est muet, ce n'est pas un sacrifice. On ne sacrifice pas. Pose des questions. Où est ton loyer? Où est donc l'argent de ton projet? Où est donc l'argent de ton marché? Certains d'entre vous apportent des sacrifices qui sont muets. Un sacrifice muet, ce n'est pas un sacrifice, c'est une offrande. Ouais, le sacrifice doit parler, il doit avoir de la vie à l'intérieur. Isaac parle, Isaac dit où est donc le sacrifice, l'agneau du sacrifice. Abraham dit, l'Éternel pourvoira lui-même. Ils arrivent sur la montagne, à cette époque-là, Abraham a 133 ans. Comment est-ce que je sais? Parce que Isaac devait avoir le même âge que Jésus devait avoir. Parce que la loi de la mesure, Jésus est mort à 33 ans. Donc Isaac devait mourir à 33 ans. Isaac a marché 3 jours, Jésus a fait 3 jours dans la tombe. Donc rien n'est fait par hasard. Donc il y a là à 133 ans, un jeune homme de 33 ans sur la montagne. Le vieux père doit lutter avec son jeune homme pour pouvoir l'attacher. Ce n'était pas un combat facile. Le gars dit, papa, tu es devenu fou ou quoi? Donc il te défend, personne ne veut mourir simplement. Voyez-vous, et donc le vieux père s'attache et puis il pose maintenant sur le terre et dit, tu vas mourir. Et donc c'est là où Dieu, voyant le cœur d'Abraham, sachant que depuis qu'Abraham sortait de la maison, il avait déjà donné son fils, et que sur l'autel c'était juste les soubresauts de la résurrection de ce fils qu'il avait déjà livré depuis la maison, il dit, Abraham, ne touche pas ce fils, parce que dès que tu es sorti chez toi, tu avais déjà positionné sur un bélier, et ce bélier devait être là pour remplacer ton fils, car en fait, je voulais juste que tu me donnes l'occasion de faire venir de manière légale le fils de la rédemption pour que l'humanité entière bascule sous la domination de l'homme. C'est alors qu'il va ouvrir les yeux d'Abraham. Abraham va regarder au loin, il va voir la croix du calvaire à Golgotha. Il va voir comment est-ce que Dieu donne son fils. Jésus a dit, Abraham, votre père a vu mon jour. Et il a souri. Donc il a vu le salut. De loin, saluer ce jour-là parce que Dieu lui a donné de voir. Et c'est ainsi donc que Dieu pourra avoir accès légal sur terre par le sacrifice d'Abraham. Donc Abraham a reçu une promesse de Dieu. Sauf que Abraham est mort. Entre temps, on voit l'histoire s'écouler. On voit Joseph qui est vendu, qui va en Égypte. On voit Joseph qui est dans la maison de Potiphar. On voit Joseph qui prend le premier ministère. On voit la prospérité qui s'établit en Égypte à cause de la grâce qui repose sur un fils d'alliance, un descendant d'Abraham. Et donc, un autre pharaon succède donc à celui qui n'a pas connu Joseph. Joseph est mort, on a oublié ses œuvres. Et donc là, on met donc ses descendants tout de suite dans un autre quartier appelé Goshen. Et là, ça devient le quartier des esclaves. Ils sont là pour bâtir la cité. On les maltraite, on les fouette. On se lève le matin très tôt. Ils sont vraiment des ouvriers terribles qui construisent la ville. Entre-temps, alors il est repéré dans le monde spirituel que la naissance du libérateur de ce peuple devrait arriver. Et là, Pharaon n'a pas envie de voir son économie tomber. Parce que c'est eux qui font l'économie. Alors il dit à tous les sages-femmes, tuez-moi tous les enfants, tuez-les tous. Tous ces enfants de 1 à 2 ans, tuez-les. Mais sauf que quand Dieu a décidé de faire quelque chose par ta vie, quelle que soit la personne qui se lève, il ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Une femme accoucha d'un jeune homme qu'elle trouva beau. Ce n'était pas le seul enfant beau, sauf qu'elle a trouvé que son fils était beau. Et elle est allée le déposer justement dans le lac et dans le fleuve. Et donc l'enfant va finir dans la maison de Pharaon. C'est-à-dire le même qui a pris le décret est en train d'héberger celui qui pourchasse sans savoir. Et en même temps, non seulement il héberge, mais il va aller chercher sa mère. Et la mère va maintenant allaiter le fils. D'accord? Et l'allaiter dans le sens, justement, de faire grandir cet enfant.
Alors, il y aura donc cet allaitement qu'on va donner à l'enfant. Et entre-temps, vous imaginez la mère de Joseph, de Moïse. Elle est dans le quartier, à Goshen. Et puis, on voit la carrosse royale qui arrive. Et on vient chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle a donné naissance à son fils. Et tout ça, ce sont les promesses de Dieu qui s'accomplissent. Entre-temps, Abraham est mort. Depuis 430 ans, il est mort. Mais la promesse n'est pas morte. Il est mort, mais ce que Dieu a dit qu'il allait faire n'est pas mort. Ça, donc cette promesse va commencer à travailler dans le monde surnaturel, orchestrer des événements pour la libération de ce peuple. Un libérateur venait de naître. 40 ans plus tard, chez Pharaon, Moïse, à l'intérieur de lui, commence à avoir des pulsions intérieures qui sont en train d'être un indicateur crédible de son appel. Il n'est plus à l'aise là où il est. Il a une compassion saine pour les Juifs, les Hébreux. Il sait, ce peuple-là, il commence à les aimer étrangement. Souvent, quand Dieu vous appelle, il y a quelque chose d'étrange qui naît en vous. Il y a quelque chose qui vous dérange. Vous êtes peut-être au premier ministère, mais vous sentez l'envie d'aller dans un village pour parler de l'évangile à quelqu'un. C'est ce genre de choses qu'il ressent. Au point où il devient maintenant le défenseur des Égyptiens jusqu'à tuer un Égyptien. Et là, la nouvelle monte à Pharaon en disant, tu sais, on t'avait bien dit, ce gars que tu as pris chez toi, que tu as appelé ton fils, qui va même peut-être te succéder, il vient de tuer un des nôtres. Et là, la tête de Moïse est mise à prix. Moïse n'attend même pas le verdict, pris de peur. Une peur créée par Dieu dans son cœur, il s'enfuit maintenant de Pharaon après avoir passé 40 ans. Et là, dans le désert, pour toutes les personnes qui connaissent Moïse, on dit sa vie est finie. Quand Dieu voit Moïse entrer dans le désert, il dit, maintenant ta vie commence. Maintenant ta vie commence. Amen. Tu es sorti. Donc il arrive maintenant, il doit faire l'école des Jéthro. 40 ans d'école des Jéthro pour renouveler son intelligence et lui donner de quoi d'avoir le savoir des choses d'en haut. Quand les temps sont accomplis et que Dieu comprend que cet homme a l'équilibre qu'il faut, pendant qu'il est en train de perdre les brebis, voilà quand il regarde un buisson qui est allumé, il est étonné. Mais comment un buisson peut être allumé et puis ça ne consume pas? Et là, Dieu voit que son regard est détourné. Il lui dit, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu pour le délivrer. Alors Dieu dit à Moïse, je suis descendu. Mais il ne descend pas. Il fait de Moïse celui qui incarne la descente de Dieu vers son peuple. Il choisit Moïse comme étant le relais de Dieu pour son peuple. Et ce matin, ma main levée vers le ciel, je suis en train de te dire que je suis descendu de la part du ciel. Amen. Envoyé pour la libération de ta vie. Au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Vous savez, les hommes de Dieu, véritablement appelés par Dieu, sont des Moïse pour ta destinée. Des personnes que Dieu a suscitées pour apporter la libération annoncée par ton alliance. C'est à ça qu'ils servent. Moïse s'en va donc chez Pharaon. Vous imaginez Pharaon, la nation la plus puissante. À l'époque, c'était l'Égypte. C'est comme les États-Unis d'aujourd'hui. Quand il est avec Dieu, il dit à Dieu, mais attends, c'est pas possible. Comment est-ce qu'un homme comme moi, je peux aller parler à Pharaon? Tu as vu ses chars, tu as vu son armée, tu as vu sa puissance, tu as vu ses magiciens? Non, je ne peux pas. Un homme comme moi, ce n'est pas possible. Il est dans la faiblesse personnelle. Mais Dieu dit, c'est quand tu es faible comme ça que moi je te montrerai ma force. Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai un bâton. Il dit, jette-le par terre. Quand il jette le bâton, ça devient le serpent. Il dit, retiens maintenant le serpent par la queue. Alors il va initier Moïse aux choses surnaturelles et mystiques. Il récupère le serpent, cela devient un bâton. Il y rentre. J'imagine Moïse quand il dort la nuit, le bâton est toujours sous son oreiller. Parce que c'est la seule arme sur laquelle il se tient. Et donc Dieu lui a caché une autre arme, la vraie arme. Il lui a donné le bâton, mais il y a quelque chose d'autre, de terrible que Dieu va faire pour que le peuple sorte. Moïse se présente donc devant Pharaon et lui dit, écoute, Dieu m'envoie pour libérer ce peuple. Pharaon commence à rire. D'ailleurs, il se moque de lui. Regarde, mon gars, c'est sûr que les chaussures n'étaient pas à la mode. Les vêtements, c'est ceux du désert. Lui, il était dans une gloire sans pareil. Souvent, vous voyez, Dieu vous envoie des libérateurs sous une apparence faible. Mais ils détiennent les clés pour ta destinée. Ils détiennent les clés pour t'amener à un autre niveau. Ils détiennent les clés pour ta promotion. Et là, Moïse dit, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Laisse partir le peuple. Pharaon dit non. Il dit, ok, je vais te montrer quelque chose, Pharaon. Lui, il va maintenant faire la démonstration. Il jette le bâton, ça devient un serpent. Et puis, il reprend, ramasse le bâton. Et Moïse, il dit, Pharaon lui dit, attends, tu es un petit. Tu n'as pas vu ce qu'on fait ici? Il appelle ses gars. Les gars font la même chose. Sauf que quand leur serpent devient serpent, la chose qui se passe, c'est qu'il fallait d'abord que spirituellement, les magiciens soient engloutis par la puissance de Moïse.
pour que tous les combats qui sont livrés à paix soient gagnés. Et c'est là où le serpent, justement, de Moïse va avaler celui de Pharaon. Et donc, quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de te dire que la puissance de l'ennemi est engloutie par la puissance. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Et vous savez, le serpent en question peut amener le VIH, peut amener le cancer, peut amener la COVID, peut amener le malaria, peut amener la pauvreté. C'est lui qui est l'auteur de tout ça. Sauf que quand tu as le bâton de Moïse, tu avales le serpent de Pharaon. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et Moïse va s'entêter. Il y aura une succession de 10 plaies. Premièrement, les jours qui changent en sang. Ensuite, on a les grenouilles, on a les mouches, on a les moustiques, les mouches. La mort des troupeaux, on a les furoncles qui vont saisir les gens dans la ville, tout le monde, la grêle, les sauterelles, et enfin, l'avant-dernier, les ténèbres. Quand les ténèbres arrivent, c'était là le signe que vraiment la fin n'est plus loin. Généralement, même dans votre vie personnelle, quand la délivrance arrive, les ténèbres s'intensifient. Et parce que le monde est en train d'aller à sa délivrance totale, les ténèbres vont s'intensifier. Elles ne vont pas s'arrêter. Mais entre-temps, ces ténèbres ne font pas de mal à tout le monde. Et il y a des personnes pendant les ténèbres qui sont gardées. Nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de dire au monde, même si le monde est enténébré, la grâce de Goshen nous préserve. Nous avons une alliance avec Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. C'est ton plein partage de ta portion. Quelqu'un dit j'ai une alliance. Encore. Et donc il y a des ténèbres intensifiées. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de ténèbres sur la terre actuellement? Ces histoires d'homosexualité, de détournement de fonds, les tremblements de terre. Amen. Vous ne voyez pas les ténèbres? L'histoire de Covid. Vous ne voyez pas les ténèbres? Le monde est en train de basculer dans les véritables ténèbres. Mais pendant que le monde bascule dans les ténèbres, il y a quelque chose d'autre auquel nous devons regarder. Que Dieu est sur le point de faire, qu'il a commencé à faire dans la vie de certains d'entre nous et qui prendront place dans ta vie. Là, il dit à Moïse, Moïse, écoute-moi maintenant, je vais donner la dernière plaie et ça, ce sera l'assaut fatal. Dans Exode 12, 1 à 14, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier nouveau mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra quoi? Un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Apparemment, Dieu aime les agneaux. Et la maison, si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Cet agneau sera sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte de la maison où l'on le mangera, on le mangera. Cette nuit, on en mangera avec la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est-à-dire que là, Dieu institue qu'à cause de ce qui va se passer cette nuit-là, que tous les descendants d'Abraham célèbrent à perpétuité ce qui va prendre place là-bas en Égypte.
Donc c'est là justement la naissance même de la fête de Pâques. Sauf que, bien aimé, il faut comprendre ceci, l'agneau en question était la préfiguration d'un autre agneau qui allait venir de Dieu. Car le sang qui était mis sur les portes et les linteaux, bien que ça ait protégé les enfants qui étaient dans la maison, n'avaient pas la possibilité d'ôter leur péché. Alors Dieu avait préparé son agneau à lui, qui lui avait déjà été immolé depuis la fondation du monde. Cet agneau, c'est le Christ. Cet agneau, c'est Jésus. Et donc, quand Jésus naît, justement, par la puissance de Dieu, alors Jean-Baptiste le voit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En d'autres termes, il répond à Isaac qui a dit, voici le bois, voici le feu, où est l'agneau. Jean-Baptiste dit, voici donc l'agneau. Donc tous les autres agneaux, c'était des préfigurations, mais le véritable agneau, c'est Christ, vous voyez, Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Amen. Quelqu'un dise encore amen. Et donc, nous ne célébrons pas un mouton qui a été sacrifié sur une montagne parce que ce n'était pas ça. Ou un bélier, non. Notre cri, notre Pâques n'est pas célébré par un agneau qu'on a acheté à Adamé ou quelque part au marché du coin. Non, notre agneau vient de Dieu. Celui que nous célébrons, c'est Christ notre Pâques. Regardez ce que la Bible dit. Dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain qu'à Christ, notre Pâque a été immolé. Qui est notre Pâque? Qui est notre Pâque? Est-ce que notre Pâque, c'est les œufs? Vous vous rendez compte comment est-ce que les gens sont méchants? Comment le diable est mauvais? Comment est-ce qu'il va rattacher la fête de Pâques à l'œuf? C'est incroyable. Non, non, tu n'es pas un poussin. Non, 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 tu n'es pas un poussin. Comment tu vas rattacher la fête de Pâques à eux et au chocolat? Non, n'entrez pas dans les affaires du monde. Amen. Ne donnez le chocolat à personne, ne donnez d'œufs à personne, donnez le Christ aux gens. Parlez de Jésus aux gens. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si vous voulez vraiment célébrer la Pâque, vous êtes un chef d'entreprise, convoquez vos employés, parlez-leur du Messie. Demandez qu'ils entendent parler de Jésus. Ce n'est pas une question de porter les chemins, les croix, et puis dans la route, on voit des gros voleurs et tout. Ça a marché. Je n'ai aucun problème. Mais quand Christ t'a rencontré, ton statut doit changer. Ta vie doit basculer vers la nouvelle naissance. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Ce n'est pas une affaire de se balader dans la rue. Amen. Je m'en vais faire le chemin de croix. Mon coiffeur m'a dit, je vais au chemin de croix. J'ai dit, mon petit, attends-moi. Tu vas comprendre pourquoi ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Est-ce que quelqu'un comprend? Porter sa croix, ce n'est pas mettre une grosse écharpe sur soi. Amen. C'est simplement accepter d'embrasser le couloir de sa destinée et de souffrir pour Dieu dans une génération perverse et pécheresse. C'est ça, porter sa croix. Que personne ne te trompe. Le chemin de croix dans la vie n'apporte rien à ta vie si Jésus n'est pas dans ton cœur. Rien du tout alors. Je dis alors rien. Oh, mais pasteur, mais si quelqu'un t'a dit de le faire, il t'a menti. Nulle part dans la Bible, le chemin de croix n'est recommandé, nulle part. Quelqu'un me dira, mais non, c'est pas possible. Jésus lui-même a demandé à Simon de Cyrène de porter sa croix. C'est toi Simon de Cyrène? Est-ce qu'en ce moment-là, Jésus était déjà mort? Il n'était pas encore mort. La nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu, non. La nouvelle alliance commence à la croix. Je reprends. La nouvelle alliance ne commence pas dans Matthieu, non. La nouvelle alliance commence à la croix. C'est là la nouvelle alliance commence. Donc ne te retrouve pas dans les choses pareilles. J'espère dire à ton voisin que tu n'étais pas dans les rues vendredi. Hein? Regarde bien ton voisin, regarde ton voisin. J'espère bien. Hein? Amen, amen. Eh bien, j'espère bien. Christ notre Pâque a été immolé. Maintenant, suivez-moi bien, frères et sœurs. Vous voyez, n'assimilons pas la justice de Dieu à la loi. Parce que vous voyez, dans l'Ancien Testament, le sang est mis sur les deux poteaux, sur les linteaux. Est-ce que la nuit, là, les gens sont morts dans ces maisons? Non. Répondez-moi. Non. Est-ce que les gens sont morts? Non. Est-ce que le sang des boucs, le sang de l'agneau mis sur les deux poteaux, les linteaux, c'est plus puissant que le sang de Jésus? Non. Si dans l'Ancien Testament, dans un pays étranger, à Goshen, le sang de l'agneau a pu garder les idolâtres, les adultères, les menteurs, les calomniateurs, les murmureurs, dans les maisons, ils n'ont pas été atteints. Comment je sais qu'ils étaient comme ça? Voyez dans le désert. Ils ont manifesté leur comportement. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été gardés parce qu'ils étaient justes. Ils ont été gardés parce que le sang était sur le poteau et sur le linteau. Donne-moi le meilleur des amens.
dis encore Amen. Christ notre Pâque. Christ notre Pâque. Donc, frères et sœurs, nous ne sommes pas sauvés parce que nous pratiquons les œuvres. Nous sommes sauvés parce qu'on accepte l'effusion du sang sur notre esprit, sur notre corps, sur notre âme. Et nous sommes mis à part. Et le dévoreur n'a pas d'accès dans ta vie à cause de cela. C'est cela la Pâque. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Je te donne 10 raisons prophétiques pour lesquelles tu dois célébrer la Pâque. Quand il dit prophétique, c'est-à-dire, on peut en trouver plusieurs. Mais ces raisons ont été dictées par la voix de Dieu pour qu'elles fassent partie de ta vie quotidienne. Numéro 1, voyez-vous, c'est la fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. La fidélité de Dieu par rapport à ses promesses. Voyez, quand on célèbre la Pâque, vous vous rappelez, la promesse va au-delà d'Abraham. Elle commence quand il dit au serpent, la semence de la femme écrasera ta tête. Mais plus loin, 430 ans plus tard, je parle à un homme qui est mort. La promesse n'est pas morte. Regardez le déploiement de puissance. Regardez l'action de Dieu. Regardez tout ce que Dieu peut faire parce qu'il veut tenir sa parole. Regardez tout ce que Dieu peut faire. Donc j'annonce sur ta vie, en cette saison, que toutes les promesses de Dieu rattachées à ta vie arrivent en manifestation. Au nom suprême de Jésus, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. C'est la fête de la liberté. Quelqu'un dit liberté. Liberté. Quelqu'un dit liberté. Liberté. Le peuple juif était captif pendant 430 ans. Mais la liberté a sonné. La liberté a sonné. Ils sont sortis libérés de cette oppression. Voyez-vous, donc, et, voyez-vous, et c'est normal. J'annonce sur ta vie, quelque chose qui te tient en captivité, qui veut ridiculiser ta vie, j'entends dans le nom puissant de Jésus que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise, je suis libre. Encore, je suis libre. Il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Que la liberté entre dans ta vie, dans ta zone pour partage et ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. C'est aussi la restauration de la dignité. Quelqu'un dise, dignité. Tu as été longtemps oppressé. On t'a appelé esclave. Tu as vécu rébus, caché dans un coin. On t'a fouetté. Tu n'avais pas de droit, tu étais sous oppression. Mais je déclare sur ta vie que la liberté est arrivée au nom suprême de Jésus. Tu as vécu chez une marâtre qui t'a torturé. À cette parole, je dis bien ta marâtre ou alors ceux-là qui t'ont méprisé. À cause de la fête de la Pâque, ils vont être accueillis chez toi dans le palais que Dieu te donnera au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise encore liberté. Donne-moi encore mon liberté. Très important. Voyez-vous, la restauration de ta dignité d'homme. Ton statut change. Tu n'es plus un esclave, mais tu es un allié de Dieu. 4. Voyez, la vengeance du peuple rétablissant sa justice. Dieu te venge et il rétablit ce qui est juste. Dieu te venge et il rétablit ce qui est juste. Voyez-vous, donc dans le cas ennemi, les gens sont morts. Les premiers ne sont morts. Des animaux, la terreur de Dieu se fait entendre. Frère, écoutez-moi bien. Aucune prière de ces gars n'était montée pour ça. C'était des résolutions secrètes de Dieu. Je dis qu'à cause de la fête de Pâques, il y a des choses qui arriveront dans le cas ennemi. Tu n'auras pas demandé, mais ces choses vont arriver parce que Dieu décide de se tenir avec toi et soutenir cette alliance dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Et tes ennemis seront condamnés. La fête de Pâques, c'est la condamnation de tes ennemis. Totalement, il a puni les Égyptiens. Il a puni, il a tourné au ridicule ces faux dieux. Il les a ridiculisés. Un homme avec un bâton a anéanti toute la sagesse de tous ces occultistes. Et le peuple a été libéré par un seul homme. Ah oui, dans ton village, les sorciers, quelqu'un va aller avec ton nom sur le marabout va le gifler. Que sors d'ici, faut pas me causer des problèmes. Parce que quand il va entrer là-bas, le marabout va voir ce qu'il a dit. Hey, sors d'ici. Oh non, il va chez le deuxième marabout le maudit. C'est-à-dire, ce qu'il a demandé, le marabout dit, c'est sur toi, ça arrive. Je déclare ça sur toi. Je prononce ça sur toi. Oh non, suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore Amen. Quand tu engages le sang de Jésus sur ta vie, c'est ce que ça fait. La terreur en enfer. La terreur.
terrain dans le quartier général de Dieu. À cause de toi, le conseil général des ténèbres va siéger. Pas pour t'oppresser, mais pour dire, les gars, soyons clairs. On prend cette résolution, mettez son nom dans le registre, ne les attaque plus. Quand on les attaque, on a trop de problèmes. Ne les attaque plus, changez de cible, les gars. Que cela soit ton partage, au nom suprême de Jésus. Apôtre Paul David, c'est là en pleine nuit que Pharaon réunit son conseil de ministre, la même nuit, tout le monde au palais. Qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, les gars, c'est trop dangereux. Laissez-le partir. Quand l'enfer convoque un conseil de ministre, parce qu'on a résolu de te laisser partir. C'est ce qui est ton partage. C'est ce qui est ta pleine portion. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te vois arriver au village dans ta voiture et les gens sortent. Les sorciers sortent et ils se guettent. Ils guettent pouvoir. Ils guettent pouvoir. Ils guettent. Ils guettent. Quand tu envoies le regard, ils se cachent. Ils guettent. Parce que tu es devenu un spécimen. Amen. Indéchiffrable. Une personne dont on n'explique pas l'origine de la puissance. Parce que tu as décidé de te soutenir. Que cette grâce soit ton partage. Dans le nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi deux bons amen. Alléluia. Tes ennemis sont ridiculisés. Voyez-vous, ça introduit une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Ce genre de saison, ce n'est pas le changement de livre, de page. Tourne-moi ta page, s'il te plaît. Dieu estime, tourne la page. Dieu estime que ça, c'est déjà trop sale. On change de cahier. C'est-à-dire, on te donne quelque chose de nouveau. On recommence à zéro. Ça là, on n'a même plus besoin de ça. On te donne quelque chose de totalement nouveau. Que c'est à partir de là, ton histoire commence. Souvent, on dit Dieu tourne la page. Non. Il y a des moments où ce n'est pas tourner la page. C'est carrément changer de bloc-notes. Changer totalement de bloc-notes pour te donner quelque chose de nouveau. Dans le mouvement de Dieu se met en marche. Une nouvelle saison, une nouvelle histoire. Rappelez-vous, ces gars étaient tout le temps avec la boue, en train de battre la boue. Mais Dieu va prendre des éboueurs. Ces gens qui sont là, il va les faire sortir. Pas pour en faire des hommes riches, mais pour en faire de la nation la plus puissante du monde. Jusqu'aujourd'hui, frères et sœurs, si les éboueurs, les fabricants de boue font trembler les États-Unis et qu'ils n'étaient que les héritiers dans la chair, qu'en est-il? Qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il de toi et moi? Tu dormiras chez toi, le chef d'État va rêver de toi. Le ministre va rêver de toi. Les gens vont avoir des songes et venir te voir là où tu te retrouves. Dans le nom suprême de Jésus. C'est un changement radical de saison au nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Une saison nouvelle. Et cette saison va t'introduire dans une prospérité surnaturelle et une gloire incontestable. Numéro 8. Prospérité surnaturelle et gloire incontestable. Rappelez-vous, ces gens prisonniers pendant 400 ans. Je veux 4 personnes ici. 4 personnes. Oui, 4 personnes. Ok, là. Non, laisse-toi. Solennel aujourd'hui pour toi. Va, quelqu'un d'autre. Va t'asseoir. Mais viens. Ou quelqu'un d'autre, viens. Toi, tu restes ici. Je veux deux autres personnes. Deux personnes qui viennent. Ok. Oui, deux personnes. Ok, voilà. Merci. Ok. Non, ça va. Non, oui. Un, deux, trois. Viens. Non, laisse comme il est en tenue. Ça va faire un peu. Viens. Mets-toi de l'autre côté là-bas. Alors, d'accord. Ils ont été captifs en Égypte pendant combien de temps? 430 ans. Donc ça veut dire qu'avant eux, il y a avant la sortie, il y a eu 4 générations. Si on l'équivaut à 100 ans la génération. Alors ça veut dire que pendant qu'ils étaient en esclavage, il a bossé pendant 100 ans et tout ça, on n'a pas payé. Sa génération passe, il bosse, on ne paye pas. Là aussi, il bosse, on ne paye pas. Lui aussi, il bosse, on ne paye pas, ça fait 400 ans. Maintenant, lui, il entre dans la 5e génération, puis c'est 430 ans. Mais il est obligé parce que Dieu va rétablir la justice. En fait, le diable pensait qu'il volait et Dieu disait qu'il épargne. Parce que tout ce qu'ils ont gagné, Dieu va donc décider en une nuit de prendre tout ce qu'ils ont travaillé pour aller affecter ça à celui qui est là.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, c'est-à-dire de tout. Donc, quand je dis ça, les sorciers de ton village ont pris depuis ton aïeul. Personne chez vous n'a été riche. Tout le monde était pauvre. Le plus riche a eu 100 000 par mois. C'est pas grave. C'était l'épargne. On a volé jusque-là. On a dit dans ta famille, personne ne peut être prospère. Mais on n'a pas su qu'on était en train d'épargner. Quand la Pâque arrive et que tu l'as compris, Dieu dit, à partir de cet instant, demande à tes voisins et à tes voisines des vases d'or, des vases d'argent, et sors avec ça pour m'adorer. Ça veut dire que la Pâque met fin à la pauvreté. Ta manière de dire amen m'embête. Si quelqu'un se lève la Pâque et croit à la pauvreté, ce n'est pas la bonne Pâque. Vous sortirez avec de grandes richesses. Et il a pris tout. Je déclare cela sur ta vie. Les contrats signés, les portes ouvertes, les nominations, les connexions surnaturelles, les idées de Dieu pour amener dans ta vie ce qui avait été volé. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amen. Dis encore amen. Il a fallu Moïse. Quelqu'un dise Moïse. Quelqu'un dise Moïse. Il dit, ordonne à ces gens de ne pas partir les mêmes vies. Je lève ma main vers le ciel. J'opère sous le, voyez, le momentum, sous le type de Christ. Mais cependant, Moïse était un type de l'Ancien Testament. Je suis envoyé pour te dire que tout ce qui avait été retenu, que tout ce qui avait été captivé, que tout ce qui avait été détenu, maintenant, retrouve cela au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton plein partage et ta pleine portion. Quand Dieu va faire quelque chose de grave. Il va dire aux gars, maintenant, sortez. Et les gars sortent. Quand ils partent, ils vont traverser la mer Rouge. Pourquoi? Face à la mer Rouge, il n'y a pas de pont et chaussée. Non. On ne fait pas des travaux d'ingénieurs. Non. C'était des grands constructeurs, mais Dieu dit, j'ai un plan dans ma tête. Yes. Parce que ce que je vais faire est de ma souveraineté. Yes. Donc toute personne qui voudra même s'opposer à ça sera trop tard. Yes. Il est fait passer vers la mer Rouge pour que même s'ils ont envie de revenir, même à la nage, ils ne peuvent pas rentrer. Je suis en train de te dire que même à la nage, tu ne rentreras plus en Égypte. Amen. Tu ne pourras plus rentrer. Tu ne pourras plus parce que Dieu t'a sorti et c'est définitif. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Amen. Dis encore amen. Tiens, reçois cela dans ta vie. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Dis-le encore plus fort. Dis-le encore plus fort. Une saison de bénédiction surnaturelle. Alléluia. Et neuf, la migration vers la terre promise. Je te vois en mouvement. Je te vois en progression. Je te vois en train d'avancer. Avancer vers la terre promise. Avancer vers ta destinée. Atteindre les objectifs du ciel. Rien ne t'arrêtera. Personne ne pourra t'arrêter. Tu progresses vers ce à quoi Dieu t'a appelé. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Notez bien, frère, que depuis l'Égypte jusqu'à la montagne Sinaï, personne n'est mort. Pourquoi? Parce que c'était l'espace de la grâce avant la loi. La dispensation, la grâce est venue bien après. Mais le peuple des Juifs a vécu la grâce avant que la loi ne leur soit donnée. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont demandé la loi. Vous devez une nation puissante. Donc Dieu te donne de comprendre ce que la grâce est capable de faire. Si Dieu te donne que les choses que tu demandes, donc Dieu n'est pas le mien. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que la notion de demander, ça va dans la dimension de petit dans la foi. Il y a des saisons de ta vie où quand tu es en train de courir vers le mouvement de ta destinée, le ciel interprète et dit par rapport à ce qu'il est en train de faire, il a besoin de telles choses. Donc ce ne sont pas les choses que tu demandes, mais les choses que le ciel a en réserve pour envoyer vers ta vie. Je suis en train de déclarer la localisation vers ta destinée de bénédiction. Ah, donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen au nom suprême de Jésus. Et 10, la Pâque, c'est enfin le fait que nous attestons au monde que nous sommes les témoins vivants d'un Dieu vivant. Je reprends, nous sommes les témoins vivants d'un Dieu vivant. C'est-à-dire par notre vie, les gens qui doutaient encore,
de ce que Dieu existe. Quand ils regardent nos vies, ils disent non, c'est clair. Le Dieu qu'on adore, là, le Dieu que ces gens adorent, voyez-vous, est un Dieu qui existe. Dieu m'a dit au premier culte, je l'ai entendu venant de l'intérieur, la saison des pleurs est terminée. Et Dieu a dit, les pleurs et les souffrances sont illégales. Dieu n'a pas envie que tu souffres. Jésus dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et heureusement, malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'il faille toujours que tu sois en train de souffrir. Non, pas du tout. Dieu veut et il t'a réservé par la Pâque une abondance sans pareil. Mais la raison pour laquelle souvent tu dois goûter un tout petit peu à certains fragments de la souffrance, c'est simplement pour que tu puisses apprécier l'aisance. Tu es un peu béni. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur ta vie. Écoute-moi très bien, ce sang parle en ta faveur. Personne ne pourra stopper ça. Ce que le sang dit, toi-même, tu ne sais pas. Et j'ai vu dans la Bible qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Il y a quelqu'un qui prie pour lui. Il y a quelqu'un qui prie pour toi. La Bible dit que Jésus est notre avocat. Il intercède auprès du Père. Il est en train de parler en ta faveur. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Il parle sur ta destinée. Ta manière de dire amen m'embête. Lève-toi vers le ciel. Lève ta main, rends grâce à Dieu pour le sang de l'agneau qui parle en ta faveur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Rends grâce à Dieu. Ce sang qui parle pour ta liberté. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à ton Créateur. Tout ce que le ciel fait pour toi. Et merci l'agneau immolé, ressuscité pour ton salut. Élève ta voix. Rends grâce à Dieu de tout ton âme. Bénis ton Créateur et ton Sauveur, ton Seigneur et ton Roi. Ne t'étais pas, dis merci. Pâques a été immolé et en lui nous nous réjouissons. Nous sommes heureux. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta vie. Élève ta main vers le ciel et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, merci pour le prix que tu as payé à la croix pour ma vie. Tu as donné ta vie pour ma vie. Tu as libéré mon être. Tu as libéré ma destinée. Je suis heureux et reconnaissant car je crois pleinement en la manifestation de tes bénédictions spéciales dans ma vie par ton pouvoir suprême au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et amen. Amen. On acclame encore le Seigneur. Bien, pendant que nous sommes debout, s'il vous plaît, juste un moment, je voudrais voir les personnes qui sont là. Nous avons beaucoup prié pour vous. On a intercédé pour ton salut. Tu es entré ici et tu, au fond de toi, tu as une profonde conviction que si tu meurs maintenant, tu ne vas pas aller au ciel. Tu ne connais pas Dieu, tu le connais peut-être, mais tu n'es pas né de nouveau. Et je veux vraiment donner la possibilité de te réconcilier avec ton Créateur. Lève la main si c'est ton cas, je vais prier pour toi. Pour que ceci devienne pour toi aussi une vérité. Merci mon frère, merci ma soeur. Lève ta main, amen, je prie pour toi. Viens, 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 viens si tu peux, viens. Viens, 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 venez, venez, venez. Venez, avancez, acclamons le Seigneur pour elle, cette personne. Acclamons le Seigneur très fort pour elle. Avancez ici. Vous êtes des champions. Vous êtes nés en cette saison. C'est incroyable. Quand on acclame le Seigneur, même pour ceux qui sont connectés en direct, amen. Toutes ces personnes qui viennent le saluer, nous te rendons grâce, mon Père. Merci pour ta fidélité. Quand on acclame, faites, mon frère, le ciel est content. Soyez dans la joie. Alors, très étrangement, il y a trois personnes qui sont dans cette salle par ailleurs. Vous allez à l'église souvent et Dieu vous a envoyé aujourd'hui, c'est pour votre salut. Et j'entends le Seigneur me dire de te dire, parce que ton cœur est en train de battre,
d'avancer devant l'autel. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne sais pas ce qu'on planifie contre ta vie. Il dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Vous êtes trois personnes distinctes. Venez devant, venez avancer. Avancez devant l'autel. Venez simplement. Venez. Venez, venez devant l'autel. Alors tu entends la voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Merci Seigneur. De ton œuvre profonde. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité. Levez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel. Levez la main comme ça vers le ciel. Répétez après moi ces paroles. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et ça concerne ceux qui sont en direct. J'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Je confesse mes péchés. Je reconnais que j'ai vécu loin de Dieu. Mais aujourd'hui, ayant entendu la voix de Dieu, je ne veux plus vivre éloigné. Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne-moi. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi la vie nouvelle. Donne-moi la vie nouvelle, Seigneur. Fais de moi une nouvelle personne au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alors je déclare ta vie sur ta vie. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, la démonstration de sa gloire, la manifestation de son règne, l'établissement de sa victoire, dans le nom suprême de Jésus, que le miracle de la nouvelle naissance soit ton plein partage au nom puissant de Jésus et que tu jouisses de tous les bénéfices de la Pâque, toi aussi, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Remettez dans ses fiches. Amen. Acclamons le Seigneur pour elle. Amen.